de prendre un peu pire de cet événement. Qu'est-ce qui vous a motivé? Tout d'abord, c'est un honneur pour moi et d'être la marraine de cet événement. Et je remercie le groupe Renouveau pour ce tonnerre. Et je pense que c'est une grande initiative et c'est à encourager vu qu'il y a pas mal de sports qui est populaire plus que le bras de fer. C'est pour ça aujourd'hui j'ai voulu associer mon image à cette image pour encourager les jeunes qui sont dans ce sport, qui font ce pratique, de les encourager aller davantage de l'avant. Si vous avez un message, ça sera lequel? La cohésion. Continuer à préserver la cohésion. Le message que je vais leur donner, c'est de préserver encore la cohésion, comme on l'a si bien dit ici, que la compétition se fasse bien dans la paix. Oui. Merci, madame la marraine. Elle est populaire, en tout cas dans les milieux populaires, mais il s'agit de donner une nouvelle image à cette discipline afin qu'elle puisse continuer à transcender, on va dire, les clichés qui, on va dire, les clichés qui lui sont vraiment imposés par, on va dire, la mauvaise compréhension des choses, parce qu'il s'agit des jeunes gens, en tout cas, qui, de par leur masse corporelle, envoient un message, on va dire, d'agressivité, un message de violence. Or, dans la pratique, ça en est tout autre. Il s'agit des gens qui, dans leur quotidien, imposent le respect, on va dire, des règles, des valeurs sociales et de bien d'autres choses positives. Donc, si ces gens-là se retrouvent en compétition, on a bon espoir quand même que ça va se passer dans des conditions optimales. Et c'est la raison pour laquelle que notre groupe de presse et nos partenaires se sont, on va dire, associés pour que cette compétition puisse vraiment aboutir à quelque chose de très positif. Il s'agit de donner une image de marque à la discipline qui mérite d'être rehaussée au même niveau que d'autres disciplines qui ont des renommées notoires, telles que le football, le basketball, le tennis et bien d'autres. Donc aujourd'hui, notre ambition, c'est vraiment de pouvoir rapprocher ce public sportif, surtout de cette discipline, alors à ceux qui l'admirent, vraiment ceux qui l'admirent de loin ou ceux qui ont vraiment de mauvaises perceptions sur cette discipline-là, de pouvoir briser ces barrières. Donc il s'agit d'une mission, on va dire, une mission de conciliation, une mission en tout cas de service public, parce que là, il s'agit des hommes qui rendent service véritablement à la société. Donc pourquoi ne pas les aider à réaliser leurs ambitions? Alors, quels sont les aspects pris en compte pour le bon développement de cette compétition? Les aspects pris en compte, c'est d'abord de continuer sur, on va dire, la bonne compréhension des uns et des autres. Parce que comme je l'ai dit, les hommes qui pratiquent, et même les femmes, hein, parce que c'est une discipline qui n'est pas aujourd'hui qui est masculine, elle est également une discipline mixte. Donc les gens qui pratiquent cette discipline aujourd'hui sont généralement appelés pour maintenir la sécurité dans des endroits publics lors des occasions de regroupement.
Si on doit faire une compétition avec ces gens-là, il faudrait qu'eux-mêmes envoient un bon message. Il faudrait qu'eux-mêmes fassent preuve de sagesse et preuve de responsabilité. Donc il y va en tout cas de l'atteinte de l'objectif qui est vraiment de faire en sorte que leur discipline puisse être mieux présentée. Donc nous comptons sur leur bonne compréhension pour maintenir entre eux la discipline et le respect, en tout cas, des normes établies. Et au point de vue sécuritaire également, nous avons toujours travaillé lors de compétitions semblables. Nous avons fait quelques mois en train d'organiser une compétition de boxe et nous avons travaillé avec la police nationale. Et cette fois-ci également, nous allons renforcer ces dispositifs afin que ceux qui veulent peut-être ne pas se soumettre aux règles puissent être rappelés dans les règles de l'art, en tout cas à l'ordre. Donc je pense que ça c'est un aspect positif. Et l'autre aspect que nous allons toujours reproduire, c'est que nous allons installer des écrans géants. C'est-à-dire mettre en place un dispositif qui permettra à ceux qui n'auront pas accès au studio de pouvoir suivre l'événement en direct, soit dans les locaux de Renouveau ici ou directement sur leurs petits écrans à travers nos deux chaînes de télévision et nos plateformes, plus les plateformes partenaires, les organes qui diffusent ces éléments, ces émissions-là, ces compétitions en direct. Donc nous profitons de votre micro pour saluer l'ensemble de la presse publique et privée, et en tout cas, on va dire audiovisuelle et écrite, donc, et parler surtout. Donc c'est pour dire que nous avons une mission commune, c'est de faire de notre pays, en tout cas, une destination touristique à travers le sport. Ça, c'est extrêmement important. Le Mali est à la croisée des chemins. Chacun doit jouer sa partition. Chacun doit faire en sorte que notre image d'un pays résilient puisse, en tout cas, franchir nos frontières, puisse, en tout cas, faire écho et puisse tomber dans les oreilles positives. Ça, c'est également de la discipline. On va dire de la diplomatie. Hein. Ça, c'est également de la diplomatie sportive. Donc, et chaque discipline, chaque domaine aujourd'hui dans notre pays doit en tout cas faire de même pour que le Mali puisse être puisse regagner les girons alors des nations qui comptent.
Comme ni anganga ni kafo malden bekanga doke ikafika ire akula ibisaka doke romina beka doke nanyuke anga chamana amaube mina abe laso donc voilà ame le camp la pela delema bande nu fiemi koina kokura dedo donc anga sera la glagnon fait donc fédération et misalimi ira ba fédération no ame fe misalimi akachali akaye donc à quelque fin féminine avec Bella de Lefana et Munafa ou les Angalaniers. Malgré un cas sobre, nous on a fondé cette guerre. Donc on a fait du malgré un cas ou bien malgré n'y en cela ou n'y en cela ou cas mais malgré un cas Bella de Lefana et Munafa ou les Angalaniers.